pas très lucide, regarde dans le vide. Elle aspire à l'équilibre, prête à tout faire pour se défaire. Ici ce soir. Alors on aimerait vraiment vraiment vous dire merci du fond du cœur déjà d'être là. On a choisi de venir vous voir après le film et non pas avant le film pour une simple et bonne raison, c'est que vous l'aurez compris, c'est un film qui évoque la discussion et on a envie d'en discuter, d'en parler ce soir avec vous. C'est pour ça qu'on a prévu les 30-35 prochaines minutes avec vous pour répondre à vos questions, vos commentaires et vos réactions sur ce film. Et ça nous ferait très plaisir de les entendre. Qu'est-ce qui se passe là? On nous parle à l'oreillette. Parce qu'il a un message fort. Il faut m'écouter. Là, il faut m'écouter. C'est important. Il y a des moments pour la folie, il y a des moments pour l'écoute. C'est comme il y a des moments pour dîner, il y a des moments pour dormir. Hein? Là, c'est le moment où on se tait. Voilà, alors c'est bon. J'aimerais juste vous dire voilà, que ça a été un film qui a été très compliqué à faire. C'est un film qui a fait peur à beaucoup de monde. Et c'est un film dont aujourd'hui nous on est très fiers parce qu'il est directement inspiré de beaucoup d'enfants malades ou différents que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui pour moi sont des héros et c'est comme ça qu'on les compte dans ce film comme des héros. Donc voilà, j'espère que ça vous a touché et j'espère que. Donc Greg qui a coécrit le film, le monsieur avec le béret, je la plaisir. Édouard Pluvieux. Il travaille avec moi depuis de très nombreuses années. C'est avec lui que j'ai écrit mes deux spectacles. C'est avec lui que je travaille beaucoup. Tout ce qui est l'aspect scène, c'est la première fois qu'on travaille ensemble au cinéma. Et ça a été un vrai plaisir. Donc on peut l'applaudir sur le premier film d'Edouard. Paul Panet, Paul Parfait, évidemment, jeune fleuron de la comédie française. Il est extraordinaire dans le film. Vous l'avez vu, il n'y a plus besoin de vous le vendre. Vous pouvez lui faire du bruit quand même. C'est très chelou. Un jour, tu vas recevoir une légion d'honneur, tu vas faire...
Et j'aimerais également qu'on applaudisse mes deux acolytes de toujours. Ils ont tous les deux fait les premières parties sur scène et ça a contribué à la naissance de cette histoire. Je les aime beaucoup, c'est des gens qui vont sur scène, c'est des gens qui aiment faire rire, c'est deux très forts personnages et deux très très bons amis. Et évidemment John et les Jam, le mec des taxis, qui a une idée originale dessus. Magid Berlina qui joue d'ailleurs son spectacle un peu partout et j'espère bientôt à Rouen, vous pouvez faire du bruit pour Magid. Et à vous, il suffit de lever la main et on vous amène un micro tout de suite. Je vais commencer par Manon, qui est juste devant. Bien sûr, Manon que je connais. Vous vous connaissez, trouvez-moi Manon. C'est un moment important, et ça m'a beaucoup touché. Je voulais remercier Edouard et Jeanne. Jeanne parce qu'il avait dit ceci. Edouard parce que ça se sent dans la manière de réaliser que enfin, ça t'a tout à cœur. Je sais que pour vous tous, ça a été difficile par rapport aux producteurs et tout ça. Je vais te dire Manon, merci beaucoup pour ton témoignage et je suis très heureux d'avoir entendu ça sur ce film parce que quand je dis c'est pas moi le héros, c'est évidemment des gens comme toi que j'ai en tête, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui est une fidèle. À chaque fois tu viens me voir, à chaque fois tu te déplaces, à chaque fois tu viens à mes spectacles, tu viens à mes avant-premières, tu n'as jamais manqué un seul rendez-vous. Et tu sais, avec le temps, à force d'aller visiter plein d'enfants, j'ai compris aussi à quel point ça pouvait être compliqué parfois de se déplacer quand on est handicapé. Ça peut être compliqué de se déplacer quand on est malade. Et pourtant, tu as toujours fait l'effort. Aujourd'hui, pour moi, ton avis, il en vaut un million. Et si ce film t'a plu, alors moi, j'ai gagné. J'ai déjà gagné. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est un film qui a été aussi fait pour un petit peu plus, je suis en éclipse à cela. C'est un film qui a été aussi fait pour dénoncer et pour mettre sur le point sur les différences qu'il peut y avoir entre les enfants. Je vous en parle une seconde parce que c'est important pour moi, très important. On parle beaucoup de moi et vous le savez certainement comme l'humoriste des ados, comme le mec des jeunes. Et j'ai accepté beaucoup ce rôle et je l'aime beaucoup ce rôle. Il y a beaucoup de gens qui me disent « ça vous fait pas chier d'être le mec des ados ?» Ça me fait très plaisir que les jeunes, même les jeunes, sont certainement le meilleur public qu'on peut espérer. Mais il y a quelque chose qui est fort surtout, c'est qu'en allant rencontrer ces enfants malades, en rencontrant des gens comme Manon, je me suis rendu compte que parfois, chez les jeunes, entre eux, il pouvait y avoir parfois de la discrimination. Parfois on a peur d'aller parler à une personne handicapée. Parfois on a peur d'aller parler à un enfant malade. Parfois on a peur de s'approcher. Parfois on a une inconnaissance profonde quand on est jeune, quand on a 7, 8, 9 ans. De ce qu'est la maladie ou de ce que peut être le traitement d'une maladie. Et donc, quand on a peur, ben, on s'éloigne. C'est une réaction quasiment humaine, quasiment instinctive. Et cette réaction-là, aujourd'hui, surtout chez la jeunesse, elle est plus acceptable. Moi, quand je rencontre des gens comme Manon, quand je rencontre des gens dans les hôpitaux qui me disent « on nous a mis à l'hôpital parce que ma maladie s'est aggravée ». Et pourquoi elle s'est aggravée ? Ben, parce qu'à l'époque, j'étais à l'école, en scolarisation avec tout le monde. Puis les enfants, ils se moquaient de moi parce que j'avais des tuyaux dans le nez. Alors j'ai préféré arrêter l'école et depuis ma maladie s'est aggravée. Aujourd'hui, si effectivement on me considère comme quelqu'un qui représente de quelconque façon les jeunes, eh ben, j'ai un message à faire passer aux jeunes. C'est plus possible. On ne peut plus laisser ça se passer. Il faut qu'on accepte et les enfants handicapés et les enfants malades. Alors évidemment, dans ce film, on traite du cancer, mais on parle de toutes les maladies, que ce soit le cancer, les leucémies, les mucoviscidoses, des maladies qui sont très dures à traiter et que des enfants
voilà, affrontent avec beaucoup, beaucoup de courage. Moi, ces mots, j'essaie de les faire rire et de les aider à ma façon depuis le début. Il est temps qu'on s'y mette tous. Voilà. Et même dans les scènes de tristesse, on a essayé d'y mettre de l'humour. Il y a un moment dans le film qui a été très 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 dur et très éprouvant pour moi à tourner, qui était d'une émotion extrêmement intense. C'est le moment où on brûle ma voiture. À ce moment-là, je peux commenter, et je vois la portière qui tombe, tu vois. Excusez-moi. Edouard m'a demandé, qui est aussi d'ailleurs, qu'il fallait vraiment aller chercher au plus profond de moi pour que les larmes montent. C'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire tout de suite. J'ai dû aller, et tout à l'heure je voulais le dire dans l'autre salle, parce que c'est quand même grâce à John et les jambes que j'ai réussi à pleurer parce qu'il m'a pris en aparté, on est parti discuter. Non mais c'est vrai, j'arrivais pas, il m'a demandé, il est venu me voir, on a discuté de 2-3 choses qui me touchent énormément, qui m'ont aidé, et grâce à ça j'ai réussi à, enfin j'espère. J'ai quasiment été même découragé à un moment donné, tant tout le monde nous disait c'est pas une bonne idée. Et pourtant j'ai été au bout. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je crois qu'il faut aller au bout de son instinct et qu'il faut croire en ce qu'on a en nous. Quand j'ai commencé à faire ce métier, je faisais mon spectacle, ça parlait des ados. Tous les gens qui sont venus en premier m'ont dit ça marchera pas, tu parles des ados, tu crois quoi, les ados ils vont sortir tout seuls, ça n'existe pas, personne ne va venir te voir, les spectacles c'est le soir, les enfants le soir ils dorment. J'ai eu toutes les critiques, j'ai été au bout du truc, j'ai dit j'ai envie de faire ça, je le sens, c'est comme ça qu'il faut le faire et je le fais. Ce film là c'est encore plus puissant, c'est encore plus fort, c'est une promesse, c'est aussi une promesse que j'ai fait à ces enfants que j'ai rencontrés aux quatre coins de la France en leur disant vous allez être héros, on va parler de vous dans les prochains mois et j'espère que ça développera aussi la conscience de plein d'autres enfants de votre âge. Qui se diront, bah tiens, et si nous aussi on faisait des choses pour ces mômes qui sont malades ou qui sont différents, ce serait pas mal qu'on soit tous unifiés. Il y a tellement de choses qui vont mal en ce moment en France que je pense que ces choses-là, juste un peu de solidarité avec les gens qui ont eu moins de chance que nous dans la vie, bah, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà pourquoi ce film m'a terriblement poussé. Maintenant, est-ce que je compte faire que des films avec du fond ou avec du drama en fond? Non, j'ai envie de continuer à suivre mon instinct. Mal à finir le mois eux-mêmes. Alors il y a encore mieux que les mots, je vais vous dire. Il y a aussi juste un sourire. Quand on croise quelqu'un qui est différent, quand on croise quelqu'un qui a perdu ses cheveux, quand on croise quelqu'un comme Manon qui peut être en chaise roulante, il y a juste un sourire à faire, juste un petit clin d'œil, un petit bisou. C'est des choses qui ne coûtent pas d'argent, c'est des choses qui ne coûtent même pas de temps, mais qui peuvent changer la vie des malades, croyez-moi. Cherchant la moindre faiblesse, voilà, si pour une flèche, crois en toi.
jamais, je l'ai ressenti exprès pour vous. Est-ce que je le ressens jamais. Kev, je t'aime. Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Pour un prochain film. Sur mon épaule. Oui. J'en ai deux. Hein. Ouais. C'est cool. Merci pour comment ça va. Très lucide, regardant le vide.